Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin, bienvenue sur Equinox, bienvenue sur 10-12 le Zénith, mesdames et messieurs. Plaisir encore de nous recevoir chez vous ce matin, comme le veut la tradition, et pendant 2 heures de temps d'antenne, nous tenterons encore de bouger avec vous, mais surtout de vous restituer les réalités du Cameroun, comme le veut en même temps notre vision. Eh bien, comment comprendre, bien évidemment, les taxations qui sont perceptibles aujourd'hui au Cameroun et supposées rentrer dans la nouvelle loi de finances qui sera certainement pour l'année 2022 et dont les Camerounais aujourd'hui on laisse entendre qu'ils n'ont pas de problème à cela. Comment expliquer quand même que désormais on va prélever des taxes sur tout ce que nous allons faire comme tontine dans les associations? Comment expliquer que 15% désormais sera prélevé sur toutes les cotisations que nous ferons dans les tontines aujourd'hui, reversées dans les caisses de l'État du Cameroun? Et à côté, comment expliquer jusqu'à présent la question évidente des transferts d'argent par voie électronique et que l'État choisit de prélever 0,4% sur ces mouvements, on va dire, électroniques aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, devrait-on se taire devant cette situation? Devrait-on rester muet? Ça fait quand même des jours que ça dure. Il y a certes une clameur sociale, mais aujourd'hui, comment expliquer? Bien évidemment, le silence, va-t-on dire, complice des députés de la nation, des sénateurs en même temps, qui ont choisi délibérément de tuer le peuple camerounais au mépris de toutes ces agitations aujourd'hui, mais surtout de ses volontés à restituer quand même le social au Cameroun. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement en présence de Donabris Kamgang, Charlamel Batiou, Dominique Audreuil-Engelec et Isabelle Caro-Zoupet. Madame, Monsieur, nous allons encore ensemble passer un excellent moment en votre compagnie et merci véritablement de nous recevoir chez vous. Je commence avec vous ce matin, Charlamel Batiou. Soyez les bienvenus. Bonjour à vous. Bienvenue. Installez-vous. Bonjour, Monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est la fin d'année du calendrier grégorien, la fin d'un cycle pour les occidentalisés, et c'est aussi la fin pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses se mettent en place dans le sens négatif, beaucoup plus. À vous d'être très méfiants. Et pour ceux qui sont habilités, qui adorent boire, ils sachent aussi que sur le plan fiscal, on les a réservé un très gros cadeau. La bière va augmenter de 100 francs encore le prix de la bière. Et il y aura 100 francs de plus. De plus encore. Donc préparez-vous. 2022, pour ceux qui se préparent à dépenser l'argent en fin d'année, ne dépensez pas. 2022 sera dur, extrêmement dur, plus que dur. Donc commencez à vous préparer dès à présent pour entrer en 2022. Doit-on se taire, mesdames et messieurs? Doit-on rester muet devant cela? Comment comprendre que le gouvernement choisisse délibérément de tuer le petit peuple camerounais et que les plus riches deviennent de plus en plus riches et les plus pauvres de plus en plus pauvres? Au final, comment créer l'équilibre véritablement? On a le sentiment que les communistes ont très vite compris ce que les capitalistes n'ont ont toujours défendu, c'est-à-dire ils ont été très opposés justement au communisme aujourd'hui, en saluant quand même les ambitions, je vais dire, de l'ancien président cubain, Fidel Castro, qui avait d'ailleurs milité pour cela, pour une société équilibrée. Mais le capitalisme outrancier ne permet pas aux autres pays, ou au monde entier justement, de pouvoir s'harmoniser dans les équilibres. Donabris Kamgang, bonjour, bienvenue. Bonjour Michel Ngatiou, bonjour à nos téléspectateurs. Ce matin, j'ai honte d'être Camerounais pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est que depuis environ 2 semaines, plus de 60 000 Camerounais sont réfugiés au Tchad, un pays voisin. Et ce n'est que ce matin que le ministre de l'administration territoriale s'y rend. 60 000 Camerounais environ, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près un arrondissement, déplacés dans un pays qui est voisin au nôtre. C'est le sous-préfet de l'arrondissement au Tchad. C'est le président du conseil de transition au Tchad qui s'en émeuve. Alors, on peut faire tous les reproches qu'on veut aux pays occidentaux, notamment un pays comme la France, que nous citons souvent. Mais en termes de responsabilité publique, en termes de respect pour les citoyens, malheureusement, on doit prendre exemple dans ces pays. Lorsqu'un citoyen français est en danger à l'étranger, quels que soient les motifs, le président se déplace, le ministre des Affaires étrangères se déplace. Vous avez d'ailleurs vu il y a quelques années,
la pression que François Hollande a faite sur les autorités camerounaises pour faire libérer, de façon controversée évidemment, notre compatriote Lydia Neyoum qui était dans les serres de la justice au Cameroun. Il n'y a pas que Lydia Neyoum, hein. Il y a aussi Atangana, souvenez-vous, qui a passé plus d'une vingtaine d'années. Dans un pays sérieux, l'État s'arrête. 60 000 personnes déplacées en détresse, sans alimentation, sans eau potable. Et évidemment, on sait très bien comment la visite du travail des autorités va se terminer. Distribution de sacs de riz, un peu d'huile végétale, un peu de militantisme, et puis on s'en va. Or, la région de l'extrême nord aujourd'hui a besoin d'un plan d'urgence. Ça existait déjà, mais de la mise en œuvre effective de ce plan, parce que il y a des solutions structurelles qu'il faut prendre. L'extrême nord a connu une mauvaise campagne agricole, l'une des pires campagnes agricoles de ces dernières années, en raison de l'avancée du désert, ces questions, l'absence d'eau. Et c'est l'une des causes justement de ce conflit intercommunautaire entre Mosgoum et Arabe Choua dans cette région. Donald Beriss Camgaron, vous rentrez quand même là avec un sujet, on va dire, incroyable pour le Cameroun. Et on voudrait ce matin regarder l'extrême nord du Cameroun et se poser une question. Merci bien sûr de la réalisation, je vous en prie. Se poser une question, la fille aînée du renouveau est-elle devenue, on va dire, la Benjamine aujourd'hui? En tout cas, bonjour à vous Isabelle Carozopet. Bonjour à vous Michel Ngatchou, bonjour aux autres. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngatchou, bonjour aux téléspectateurs. Allez, on va rapidement avec l'histoire de ce matin. L'histoire, c'est celle d'une jeune femme qui nous écrit, elle nous dit... J'ai fait plus de 6 ans avec un homme, tout allait bien entre nous, ma famille le connaissait, sa famille me connaissait également. Malheureusement, il a perdu son frère et je suis allée au deuil comme il fallait. Je ne suis pas allée au deuil comme il fallait, j'allais pendant les soirées de recueillement, je travaillais et tout, mais je n'ai pas pu aller au village et il m'a demandé de ne pas y aller. Mais je l'appelais chaque jour pendant son séjour au village. Il a fait une semaine exactement là-bas. Et le jour qu'il devait rentrer, je l'ai appelé. Et il n'a pas pris. J'ai donc décidé d'aller le voir à la maison. Mais à ma grande surprise, il était là avec une autre femme. Et quand j'ai voulu lui demander ce qui se passe, il m'a mis dehors. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il n'a même pas essayé de m'expliquer ce qui se passe. Même quand il me voit en route, il change de direction ou alors il emprunte la moto. Il a également que lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai vu que la jeune femme avait un enfant de sensiblement 8 mois entre les mains. Avec lui, on projetait de se marier, de s'installer et de vivre ensemble. Je ne sais pas trop comment prendre cette situation. Est-ce que je devrais définitivement tourner le dos ou bien garder espoir? Voilà. On s'est bien compris ce matin, mesdames et messieurs. Mais c'est une histoire quand même rocambolesque aussi. Hein, ils ont fait 6 ans, c'est ça? Oui. 6 ans ensemble. Elle a assisté aux obsèques du frère aîné de l'homme. Elle allait avant l'enterrement au village. Oui. Donc elle allait chaque fois qu'il y avait le recueillement, quand il fallait faire à manger pour recevoir des gens. Elle était là, elle faisait le ménage et tout. Mais pendant les 6 années de la relation, elle allait comme une potentielle belle-fille. Du moins, elle faisait ses preuves pour qu'on l'épouse. D'accord. Donc, et il a refusé qu'elle aille l'accompagner à l'enterrement jusqu'au village. Qu'il fallait qu'elle reste en ville et qu'il reviendrait après une semaine. Sauf qu'après une semaine, elle revient, elle appelle, il ne décroche pas, elle se dit certainement, il est arrivé, il est fatigué et tout, je vais arriver à la maison. Elle prend sa moto, elle arrive chez lui et elle trouve que celui-là avec une autre femme et il la met à la porte. Voilà. Et elle veut savoir quoi. Comment elle va faire? Merci, cher. Parce que... Moi, je pose la question, déjà, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Vous allez cheminer ensemble pendant 6 ans. Est-ce que la famille vous reconnaissait? Oui. Donald, plus vous comprenez quelque chose à ça? Pourquoi vous mentir? Mentir, c'est-à-dire? Elle ne dit pas tout dans l'histoire. Comme quoi? Vous voulez que vous dise quoi? Dominique Audrey. Ah. Elle ne dit pas tout dans l'histoire. Elle raconte tout l'histoire. Dis donc. Mais voilà l'histoire. Je sors avec toi depuis 6 ans. On doit se marier, on doit s'installer ensemble. Tu pars au deuil de ton frère, tu reviens à une femme. Moi, je suis quoi dans l'histoire? Ça, c'est le film. Non. Oh, franchement. Qu'elle nous dise tout. Non. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces périodes? Vous mettez mes organes en ébullition, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces périodes obsèques?
Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au village? Quelque chose s'est passé. Ou avant les obsèques. Famille. Pendant cette période, il y a eu un conflit. Il y a eu quelque chose avec lequel l'homme n'était pas d'accord. Assurément. Assurément, certainement. Et elle s'est peut-être entêtée. Est-ce qu'elle veut pas nous dire? Il y a eu un motif de désaccord profond. Pendant cette période d'obsèques, il y a eu des turbulences. Donc, c'est un élément explicatif de cette réaction. Maintenant, cette deuxième femme qu'elle retrouve à la maison, certainement, il avait une relation précédente, bien établie avec cette femme. Lorsque le désaccord s'est produit, il s'est peut-être rendu compte qu'il n'était pas sur le bon chemin. Oui. Et qu'il fallait revenir sur ses pas. Est-ce que la manière a été bonne? On peut discuter de ça, mais toujours est-il qu'il s'est ravisé. Toujours est-il qu'il s'est ravisé. Lorsqu'on aura les raisons pour lesquelles, est-ce qu'elle va décider de nous dire, en complétant l'histoire, les raisons pour lesquelles il s'est ravisé, on va analyser. Mais pour l'instant, elle raconte l'histoire de façon parcellaire. Alors, vous dites très bien qu'il y a ici un souci sur peut-être la méthode en réalité. Vous savez, c'est lui qui présente l'histoire, présente toujours sous l'angle qui va l'arranger. Ouais. Pour qu'on analyse en disant, oui, en fait, elle en est 13, vraiment, on l'a trompée, on l'a menti, non. Mais vous avez quand même mentionné une chose de Nabrice qui est tout à fait pertinente. Il faudrait justement qu'on sache exactement ce qui s'est passé avant les funérailles. Pendant même. Et ce qui amène son conjoint à lui dire, mais c'est mieux que tu restes sur Douala, sur Yaoundé, tu ne m'accompagnes pas. Michel. Bon, maintenant, est-ce que lorsqu'on entre dans une famille pour la femme, on a des attitudes, on a des comportements? La famille vous regarde, analyse. Et c'est-à-dire, à un moment donné, on dit au garçon, ben oui, tu as fait ton choix, mais vraiment, nous, on n'est pas... On regarde, mais on n'est pas... En tout cas, tu es libre. Voilà. Elle vient là avec vos habits. Elle vient préparer vos manger. La parole, c'est à de Nabrice. Est-ce que vous comprenez que les familles auraient joué un rôle pareil? C'est possible. Une relation de 6 ans, c'est pas quand même 6 semaines, c'est pas 6 mois. Ça signifie qu'on était déjà suffisamment avancé. Est-ce que les deux ont des enfants? Non. Ça signifie qu'on était suffisamment avancé sur le plan de la connaissance mutuelle, l'un et l'autre. Ça signifie qu'on envisageait déjà quelque chose ensemble. Pendant ces... et que celui qui est mort, c'est quand même le grand frère de l'homme. C'est-à-dire quelqu'un de très proche. Et que celle avec qui on compte se mettre ne soit pas aux obsèques. Elle dit que c'est l'homme qui a refusé qu'elle y soit. Moi, je doute. Il y a eu un problème. Et il s'est opposé à sa venue au village. Très bien. Et ça, elle ne veut pas nous dire. Parce que sa femme était au village. C'est tout. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, celle-là, il l'a ramassée comme ça, là. C'est vous qui complétez. On a secoué un avocat. Elle est tombée. Votre commentaire, Isabelle Carozopé. Visiblement, de mes côtés, est très couloussée par l'histoire. Permettez. Isabelle Carroz, vous pouvez laisser nous votre commentaire à l'histoire de ce matin. De la fille, du jeune homme, de qui? Vous faites votre choix, hein? vous nous parlez, vous nous laissez... Mais moi, je veux dire bien fait aux femmes. Oui, je veux dire bien fait pour elles. Parce que on est avec des personnes qui mendient l'amour. Moi, je veux dire ça comme ça. On fait comment pour sortir avec un homme 6 ans? Michel Ngatchou, il n'a même pas fait le toqué. Il ne vous a même pas épousé. Il ne sait même pas là où vous habitez pendant 6 ans. Vous comprenez très bien de quoi je parle. Je parle en français facile. Et des personnes qui comprennent, comprennent. On parle de 6 ans de relation. Il n'y a pas eu mariage. Il n'y a pas eu toqué. Il n'y a pas eu d'enfant. Donc pendant 6 ans, un homme vous fait la promesse. Vous êtes derrière, vous acceptez. Je vais t'épouser, on va se marier, chérie, je t'aime. On va faire ci, on va faire ça. On est à 6 ans. Il continue le même discours. Il déchire 6 calendriers. Il continue à déchirer. Vous êtes là, vous attendez. Et vous le voyez avec une femme qui a des enfants et tout, vous exclamez de quoi? On fait comment pour sortir avec un homme 6 ans? Donc vous connaissez un homme à 30 ans, à 36 ans qui commence à vous dire, ok d'accord, en 2040, je songerai à vous épouser. Ça se passe où? Bien fait pour cette fille parce qu'elle s'est prise elle-même avec beaucoup de légèreté. Et aujourd'hui, elle est rattrapée justement par cette légèreté de sa part à elle. Sinon, en 6 ans, il y a tellement de considérations. Michel Ngatchou, lorsqu'on a entretenu 6 années de relation avec un homme et qu'il perd son frère, ce n'est même pas vous qui allez au deuil, c'est-à-dire que vous avez votre maison de deuil parce que vous êtes impliqué dans cette famille-là. Tu es dans l'organisation de façon sérieuse. Il y a votre cousine qui vous accompagne, il y a des personnes qui vous entourent, il y a même des collègues qui vous accompagnent parce qu'on sait que non, vous avez perdu telle personne. Est-ce que ça veut dire que cette fille n'était pas acceptée dans ces familles-là? C'est possible. Soit il y a deux hypothèses.
Soit c'est elle qui croyait qu'elle était en relation, en fait elle n'était pas en relation parce que le monsieur lui a dit écoute, j'ai une femme et des enfants, mais elle a insisté parce qu'il y en a aussi. Non, l'homme ne lui a pas dit ça. Non, Michel Ngatou, il y a des femmes qui refusent de comprendre aussi. On ne lui a pas dit. Parce que vous n'allez pas arriver chez quelqu'un, vous trouvez des couches de bébé et tout, et vous dites non, c'est forcément l'enfant de sa cousine. Il y a des femmes qui refusent d'admettre. Parce que vous leur dites, je suis en couple, je peux pas être avec vous, mais elles insistent aussi, ça il faut le dire. Il y a des hommes qui sont victimes de harcèlement, malheureusement. Ça aussi, il faut le savoir. Vous ne pouvez pas être aveugle à ce point. Parce que si vraiment votre partenaire perd son frère, je dis, vous serez impliqué. Au premier plan. À tous les niveaux, vous serez impliqué. C'est vous qui aurez marché avec les personnes qui chercheront, c'est pas le bail. C'est vous qui serez là pour dire, ok, d'accord, on ira. Mais vous êtes en retrait et vous estimez que vous êtes en relation. Vous n'êtes pas en relation, ma chérie, vous n'avez jamais été dans une relation. Parce que c'est là, jusqu'ici, elle voit cet homme avec une autre femme. Elle voit un enfant qui appartient à cet homme. Et elle dit, vraiment, Dominique Audrey, qu'est-ce que je dois faire? Mais continue à insister aussi. Peut-être qu'un jour, il va sursauter de cela et puis il va vous dire, ok, d'accord, vraiment, c'est une erreur, c'était arrivé. Non, je crois qu'il faut que les femmes soient un peu plus réalistes et un peu plus strictes envers les hommes. Quand vous entamez une relation, chère dame, mettez du sérieux dans cette relation et soyez direct avec la personne qui est en face. Ou ça passe, ou ça casse. Parce que maintenant, les 6 années, elle va ranger ça où? 6 années pour une femme, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux. Vous perdez 6 années à quelqu'un et puis un matin, découvre que vous avez une autre femme. Il faut que les hommes également, à un moment donné, soient directs. Qu'ils arrivent à contrôler leur pulsion. Qu'ils arrivent à contrôler leur libido. Est-ce que le souci, c'est au niveau de la pulsion ou de la libido ici? Oui, c'est au niveau de la libido et de la pulsion. Il est question ici, justement, pour la dame d'intégrer une famille. Il est pour elle, en même temps, de se rassurer qu'elle va, l'intégrer véritablement. Alors, si l'homme n'a pas pris le temps de rassurer sa conjointe, n'a-t-on pas ici le regard à porter quand même sur l'acceptation de cette fille au sein de la famille? Est-ce que cette fille, en même temps, comme le Donald l'a dit, ne dit pas toute la vérité, est-ce qu'elle se comporte bien? Est-ce qu'elle a une fille Elle croyait qu'elle était en relation. Parce qu'il faut aller interroger les rapports qu'elle avait avec cette famille-là. Voilà. Si votre partenaire a perdu quelqu'un de si précieux comme son frère, je dis, vous serez impliqué. Ce sont les sœurs qui vont vous appeler pour dire, bon voilà, demain on ira au marché pour telle chose. C'est la mère qui va vous dire, ok, d'accord, voici comment. C'est-à-dire que vous ne serez pas en train de découvrir, vous serez acteur. C'est-à-dire que vous ne serez pas spectateur. Absolument. C'est vous qui serez devant, qui serez en train de prendre les directives par rapport à telle ou telle autre situation. Mais on vous dit, elle vous dira qu'elle n'a pas été reconnue. Moi qui, il y en a qui le disent en même temps. Moi je suis qui? Raison pour laquelle, je suis qui pour le faire? Raison pour laquelle il ne faut pas donner tellement d'espace à ce genre de personnes. Quand un homme vous aime, il vous épouse, mesdames, retenez-le une bonne fois pour toutes. Si un homme vous aime, il vous épouse, il va faire 6 ans avec vous pour vous dire on va. Bon, après 6 années de relation. Il y en a qui ont fait 7, 8 ans, hein, 10 ans même, hein, à un moment donné. Oui, après qui ont écrit, qui ont envoyé les messages aux élites, qui ont dit vraiment ça, Isabelle, est-ce que pas je peux te voir après l'émission, s'il te plaît? Vraiment, non, tu habites non, où? Parce non, que je ne veux pas forcément, Isabelle, bon, s'il te plaît, pardon, j'ai besoin que tu secoues la calebasse. C'est ça? Prenons la vue de Charles Lamet sur l'histoire de ce matin. Mais je vais quand même mentionner qu'il y en a qui font 10, 15 ans et qui ont été très sérieux dans leur parcours. Et 10 ans après, sont heureux justement. Je sais pas qui vous le dites aussi. Hein. Vous m'empruntez les idées ou bien les mots? Même pas. Alors, je dis qu'il y en a qui nous regardent. On ne peut pas faire 6 ans avec un homme. Non, il n'a jamais fait le premier pas. On est d'accord que si on fait 6 ans quand même, il faudrait qu'il y ait. Mettre un peu de sérieux. Non. 6 ans non, avec une femme. Il faut mettre pas un peu. Il faut mettre du sérieux en 6 ans. Alors, lorsque votre beau-père décède ou c'est pas tout là un souci, vous n'avez pas encore reconnu la fille. C'est vous qui faites tout ce qu'il faut dans la belle famille. Lorsque votre belle-sœur ou la famille, votre belle-famille a un souci, vous intervenez parce que vous comptez vous aussi intégrer cette famille-là. Et plus tard, vous cheminez ensemble. Vous faites 10 ans, 15 ans pour certains. Bon, même si je ne valide pas, mais toujours est-il qu'il y en a qui l'ont fait et qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Charles Amem Badiou, moi je voudrais qu'on prenne quand même un angle un peu réel. On fait 6 ans. 6 ans, on n'a pas de fruit quand même d'un amour pour parfois se dire, ben d'accord, ça peut mettre l'élément qui, même si beaucoup, on dira que ce n'est pas rassurant. Est-ce que ce n'est pas l'élément qui peut rassurer? Où est le fruit ici, 6 ans après, Charles Amel? On dit chez les Bantous qu'on n'arrose pas un champ sans fleurs. Vous allez être déjà mal à l'aise ce matin. Il faut arroser. C'est pas gentil. On n'arrose pas un champ sans fleurs, monsieur Michel Ngatou. Vous ne pouvez pas vous lever, vous voyez la terre, niveau vaisselle. Quelle était la raison fondamentale pour laquelle il s'est mis avec cette fille? Question. Isabelle Carole, il a fait les pas. Il a fait beaucoup de pas en lui montrant la famille.
Vous savez, je marche plus seul. Hein. Voici Isabelle Carole. Saluez-la. Sympa, non? Saluez-la. Bon, je t'ai présenté, non? Tu peux laisser faire le reste. Je m'en vais. Est-ce qu'il a matérialisé la relation? Non. Il ne l'a pas matérialisé parce qu'elle partait, elle venait, non? Quand tu pars, tu viens, tu penses que tu es considéré? Tu pars, tu viens. Tu disparais, tu viens vendredi, tu rentres dimanche ou lundi matin. Tu viens jeudi soir. Vous sortez vendredi, samedi, t'es dit que bye. Vous vous attendez à quoi? Elle n'est que responsable de sa propre tipitude. S'il y avait un seul conseil que j'allais lui donner, j'allais lui dire, fais un tour au marché, achète les mouchoirs, rentre dans ta chambre, enferme-toi et pleure. Vous n'êtes pas gentil. Si. Vous n'êtes pas gentil. Pleure. Qu'elle coule toutes les larmes de son corps, elle nettoie. Ça va passer, c'est ça la déception. Monsieur Michel, cette femme a toujours été là. Cette femme a toujours été là. Celle qui porte le bébé? Cette femme a toujours, elle n'a jamais été absente, elle a toujours été là. Et comme Isabelle dit, elle est même arrivée là-bas, elle a vu des preuves, elle s'est refusée d'accepter qu'il y avait une autre vie avant, qu'elle y avait une vie avant elle. Elle s'est refusée. D'où vient-il qu'un homme dise qu'il vous aime, monsieur Michel Ngatiou, que il vous est poussé à forcer la main à sa famille, parce que c'est ça le cas. Et que lorsqu'il arrive vous trouver une autre femme, il vous attrape par le collet pour vous jeter dehors. Y a-t-il eu un seul jour sentiment? Simplement l'acte d'être arrêté par le collet et jeté dehors vous démontre la suffisance qu'il n'y a jamais eu. Ce n'était qu'une relation charnelle. Ce qu'elle gagnerait dans l'affaire, c'est, je vous assure, qu'elle s'enferme, elle pleure, elle oublie cette histoire, elle continue sa vie. Il n'y a rien dans cette affaire. Dominique Audrey, que le dites-vous et que dites-vous justement? Quel commentaire faites-vous ce matin? Moi, je lui dis que la vie est dure. Les gens sont mesquins. Les gens sont vils. Et il y aura malheureusement dans notre entourage des gens qui auront toujours envie comme ça de vous faire du mal parce que cet homme avait déjà une vie préétablie. Vous, comme la femme que vous avez trouvée dans cette maison, vous avez été l'objet d'une manipulation. Cet homme, concrètement, a toujours eu sa femme au village. Cette femme, certainement, que sa famille lui a octroyée, elle a toujours été là. Mais puisqu'il ne pouvait pas rester dans la ville de Douala, ou Yaoundé, ou Kribi, ou Bertois, la ville dans laquelle vous vivez, il ne pouvait pas rester comme ça sans pouvoir dompter ses envies, ses instincts bestiaux. Bestiaux, merci Charlamel. Il fallait bien qu'il ait une femme avec laquelle il devait faire joujou. Conséquence, il n'était pas question de vous concrétiser à cause de l'existence déjà de cette autre femme. Donc malheureusement, vous vous êtes projeté. Vous avez pris vos samedis pour aller laver les habits des belles-sœurs, des sorcières belles-sœurs. Vous avez fait, oui, non. Vous avez fait à manger pour aider sa mère, excusez-moi. Pour faire à manger à toute la famille, ça, désherber le champ, aller nettoyer, c'est mon avis. C'est ce que je pense. Non, attendez. Vous n'allez pas dire sorcière belle-sœur quand même à l'antenne. Je dis sorcière belle-sœur. Ça signifie quoi sorcier? C'est la question que vous devriez vous poser. Permettez, ça peut avoir des relents, des parjures. Non. Mais des belles-sœurs qui n'ont peut-être pas eu une attention particulière. Les mots ont un sens dans un contexte précis. Sorcière signifie quoi? On est d'accord justement, on est d'accord. Mais je crois au moment donné que nous tous ici, on a des belles-sœurs que nous aimons, que nous respectons. Vous aussi, vous en avez. Michel. Et on ne souhaiterait pas que les belles-sœurs qui nous regardent ce matin se sentent... Donc, respectons-nous. Elles vont se sentir comme ça si elles font ce genre de pratique. Mais est-ce que c'est du ressort d'une belle sœur de dire à la femme que comme tu vois comme ça, il y a une autre femme dans la vie? Est-ce que c'est le vous, vous pouvez le faire? Laissez la télé aux hommes de mon quartier. Vous pouvez faire ça. Est-ce que vous, laissons la télé, ne regardons pas la caméra, est-ce que vous pouvez dire à la copine, à l'une des copines de votre frère que comme tu vois là, il ne te trompe pas? Écoutez, j'ai deux petits frères et ils savent. La télé, c'est les choses. Ne faites pas les choses de la télé. Je suis désolée, c'est mon avis. Ici, je ne fais pas ça. Nous sommes hypocrites. Nous sommes tous hypocrites. Je ne suis pas une hypocrite. J'ai dit, on est tous hypocrites. Ces belles sœurs, ce sont des faux. Ce sont
des sorcières. Voilà. Allez chercher la signification. Vous-même, vous êtes belle-sœur. Dans un contexte précis. Et quelqu'un à la télé, vous regardez, André, dit même toi-même là-bas. Quelqu'un vous regardez à la télé, vous parlez. Vous savez qu'il y a des gens qui savent prendre des photos, mettre des insultes. Allez, faites-le. Prenez la photo de l'égal et vous mettez sorcière, belle-sœur. Moi, vraiment, je n'en ai rien à assurer. Quel conseil vous donnez à cette femme? Ces belles-sœurs sont des sorcières. C'est une famille de personnes maléfiques, malsaines. Méchante personne à la base, parce que tous les jours pendant 6 ans vous êtes venu dans cette famille comme quelqu'un qui voulait y entrer. Donc maintenant ce que moi je vous dis, c'est que vous allez encore tomber. Vous allez encore tomber sur des hommes qui vont certainement vous tromper, mais remerciez la providence de vous avoir permis de vous séparer de cet homme-là, parce que le meilleur certainement est à venir. Vous êtes une bonne femme et vous méritez. Est-ce que vous posez la question? Vous dites qu'elle est une bonne femme, d'accord. C'est mon avis. Je n'interprète pas vos avis, Michel. Ce que je pense, c'est ce que je pense. Respectez ça. Il n'y a pas d'énervement en vue. Je ne suis pas énervée. Ne mettez pas les organes. Non, je mets mes organes. Ne mettez pas les organes. Je mets mon avis. Vous trouvez toujours à redire sur ce que je pense. C'est ma pensée. Et c'est tout. On échange de minutes. Je n'aime pas discuter de ça. Votre pensée, il y en a qui sont très nombreux qui épousent vos pensées. Et on respecte justement cette pensée-là. Et il y en a qui n'épousent pas. Mais maintenant, si on n'épouse pas, il y a débat. Mais non, c'est maintenant la force des arguments. Écoutez, c'est ça qu'il s'agit de. Vous ne débattez pas sur ce que je pense. Débattons sur le sujet. Vous êtes d'accord, Dominique. C'est bon. Moi, j'estime que cette femme a été trompée. Cette femme a été utilisée par cet homme. On est d'accord. Et tout simplement, elle part et elle passe à autre chose. Maintenant, j'ai un problème. Je lui pose la question, mais je vous la pose également. Lorsqu'on a fait 6 ans avec un homme qui ne vous a pas épousé pendant 6 ans, comme Isabelle le disait tout à l'heure, qui n'a même pas pris la peine de faire ce qu'il faut faire véritablement. Vous-même, la femme, vous posez la question, vous mettez sur quel piédestal, vous vous dites pas à un moment donné que vous-même êtes le problème. Parce qu'il y a des femmes que vous rencontrez en moins d'un an, vous les épousez. Parce que vous les sentez. Parce que vous sentez justement. Et vous divorcez après combien de temps? Non, mais vous écoutez, ne divorcez pas. Parce qu'elles sont parfois. Vous racontez des histoires. Elles subissent. Et on vous martyrise, on vous traumatise dans ce fameux foyer. Audrey, laissez Dominique les gens vivre leur vie comme ils veulent. Il y a des Africaines qui nous regardent, qui ont rencontré leur mari, on va dire, 2 jours après. Et la semaine qui suivait, elles se sont mariées et elles ont fait 20, 30, 40, 50 ans pour beaucoup aujourd'hui. On les compte sur le bout des doigts. Oui, mais au moins, elles existent. Comme celles qui ont été mariées après. Alors, moi, Donabres, pour sortir, vous avez un petit commentaire. Vous savez, moi, je suppose que si cette femme m'a posé ce problème ici, c'est parce qu'elle souhaiterait avoir une issue. Et moi, je réfléchis tout dans cette logique-là. Et c'est pour ça que moi, je la conseille d'être honnête dans le récit qui est fait. Vous ne pouvez pas faire 6 ans avec un homme dans une relation. Et du jour au lendemain, il perd son frère, vous n'êtes pas associé, vous n'assistez pas aux obsèques de son frère. Sous le prétexte qu'il vous dit... Non, rester en ville, moi j'irai la con. C'est extrêmement léger pour une relation qui a 6 ans. Ça se fait pas. C'est extrêmement léger. Parce qu'elle a eu à dire des choses ou à poser des actes qui ont fait qu'on l'exclut. Oui, absolument. Parce qu'en fait, lorsque dans une relation on veut évoluer, lorsqu'on veut évoluer dans une relation avec quelqu'un, on fait parfois également son introspection. On se demande, mais est-ce que l'attitude que j'ai est la meilleure? Est-ce que les comportements que j'affiche sont des comportements qui sont de nature à encourager mon vis-à-vis dans Absolument. La relation que nous voulons construire. C'est pour ça qu'elle demandait au départ, il faut qu'elle soit honnête. Si elle veut se remettre, si elle veut, peut-être que cette relation est désormais derrière eux, si elle veut se remettre dans une nouvelle relation, si elle veut se remettre de cette mauvaise passe, entre guillemets, il faut qu'elle soit elle-même capable de se dire, qu'est-ce que je peux me faire comme reproche? Pendant ces 6 années, est-ce que j'ai toujours été à la hauteur? Qu'est-ce que j'ai apporté? Où est-ce que j'ai failli? Quelles sont mes défaillances? C'est de cette façon qu'elle peut se remettre se de cette d'organiser le mariage. Maintenant, si elle veut simplement qu'on lui dise, bon, tu as raison, l'homme est mauvais,
Il t'a trompé pendant 6 ans. Il ne t'aimait pas. Évidemment, on va lui dire ça, mais ça va l'aider à quoi? En rien. Encore qu'il faut dire que cet homme-là n'est pas mauvais. C'est elle qui a refusé. Je n'accuse pas l'homme. Oui, je suis d'accord avec toi, ça, mais c'est elle qui a refusé d'accepter la réalité. Il faut accepter la réalité, mesdames. Il y a des hommes qui sont avec vous, mais qui n'ont pas de lendemain avec vous. Il faudra même de pouvoir faire une lecture. Et aussi, si vous n'avez pas les comportements acceptables, sachez que même si vous allez faire 10 ans, 20 ans de relation, on vous laissera là et on ne vous épousera jamais. Donc remettez-vous en question quand il est temps et apprenez à faire le bon casting aussi. Ça, je le dis parce qu'il y a des hommes qu'il faut même pas, à qui il ne faut même pas dire bonjour. Merci beaucoup. Isabelle Carole, on va quand même terminer en demandant à toutes nos sœurs qui nous regardent, nos petites sœurs en même temps qui nous regardent, demain pour nos petites sœurs, vous entrez dans des relations, c'est évident. Mais il est important que nos petites sœurs aillent toujours se greffer à maman. Écoutez les conseils de maman. Comment réussir mon mariage demain, maman? Je souhaiterais ne pas être à l'ex... Non. Avec les occidentalisés d'aujourd'hui, il n'y a pas une forme standard. On fait comment? Parce que c'est déjà l'occidentalisé. Vous avez de laisser la latitude à vos filles de choisir leurs garçons et aux garçons de choisir leurs filles. Lundi, on a choisi, maman, j'ai choisi, mon cas a flashé. Si ce n'est pas lui, je meurs. Vendredi, vous êtes à la mairie. Vous faites la dot. Samedi à la mairie, tout ce que vous voulez après. Mercredi, maman, je m'étais trompé. Le gars là, c'est un salaud. Le gars là, si tu sais ce que le gars là devait faire, je voulais être madame, j'ai été madame, non, c'est bon. On est chez au tribunal pour le divorce. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Laissez les parents, c'est la seule chose. Choisis vos époux et vos épouses. Vous allez vous rendre compte que vous ferez de bons mariages. Alors ça, c'est le conseil d'un bantou en même temps. Oui. Hein? Mais alors, c'est compris. Mais surtout, on voudrait protéger toutes nos sœurs et demander également... Que les parents, non, c'est pas eux qui viendront pour dire ok, d'accord, ils feront le choix à 100% aussi. C'est vous qui allez dormir avec cet homme. C'est ce qui s'agit de votre relation. On ne choisit pas lundi pour que vous épousez mardi. Non, des stratégies. Rapprochez-vous. Des stratégies trop techniques. Mais moi, je crois qu'elles sont révolues, ces stratégies. Elles sont révolues. C'est ça. C'est vous qui allez subir. 472 demandes de divorce. Elles se mettent de côté. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle, Carole, Charles et Dominique Audrey pour vos avis. On prendra les vôtres dans un instant, mesdames et messieurs. Merci de nous écrire sur la page d'Equinox Télévision ou vous nous laissez un message via le contact s'affiche bas de l'écran. Tout de suite, allons prendre la colère de Charlamagne Batchou. Je m'interroge ce jour sur la question de la faillite de la cotonnière industrielle du Cameroun. Que se passe-t-il à Sikam? Interrogation oblige. Comment comprendre cette situation plus que catastrophique que traverse la cotonnière industrielle du Cameroun? Érosion continue des parts du marché. Dégringolade du chiffre d'affaires, dette due aux fournisseurs et prestataires astronomiques, alourdissement des aérés de salaire, contrebande, exonération fiscale généreuse à la concurrence. Voilà les mots qui plombent l'activité de cet ancien fleuron de l'industrie textile en zone SEMA. D'où vient-il que le parti État lui-même ne fasse plus confiance à Sikam? Que l'épargne du RDPC soit désormais commandée en Chine. Sikam a-t-elle failli? Question. La cotonnière industrielle du Cameroun n'en finit pas de voir s'amorceler les hypothèques sur son fonctionnement ainsi que sur son activité. Le 9 septembre 2021, à la faveur d'un débrayage du personnel des sites de production de Douala 1 et 2, suite au non-paiement des salaires des mois d'août et de septembre, la direction générale, face aux délégués du personnel, a décidé de cantonner toutes les recettes issues des boutiques à compter du 9 septembre 2021 pour accorder une avance de 50 000 francs CFA à chaque employé, du jamais vu au sein de cette structure. Comment comprendre l'incapacité de la société à assurer la production du pain, même de la journée de l'enseignant? En fait, selon des sources internes à l'entreprise, sur une commande initiale de 912 balles de pagne,
seuls 100 balles ont pu être produits, soit un gap de plus de 800 balles, et à la clé un manque à gagner estimé en centaines de millions de francs CFA. Savez-vous que celle de la cotonnière a souvent été contrainte de rembourser des avances perçues sur certaines commandes passées par des clients? Comment comprendre l'inertie du gouvernement après le rapport du cabinet d'études et d'audit comptable, CEAC, qui attestait que sur le plan institutionnel et juridique, il y a une absence de manuel de procédure financière, budgétaire et comptable, l'inexistence de textes et de cadres organiques adaptés, l'absence d'une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui plombe le management des ressources humaines. Sur le plan technique et commercial, l'outil de production est obsolète. 41% des équipements sont vétustes et demandent soit à être remplacés ou à être réhabilités. Mais étrangement, le Cameroun ne connaît pas la notion de maintenance. Le volet commercial laisse apparaître une dégonglade, des parts de marché de 95%, tandis que le chiffre d'affaires passait de 15 milliards de francs CFA en 2015 à 7,5 milliards de francs CFA en décembre 2020. D'après le rapport d'audit de CEAC, la structure financière est complètement déséquilibrée, avec des capitaux propres négatifs de moins 7,9 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020. Les dettes fournisseurs sociales et fiscales et celles dues aux actionnaires sont évaluées à environ 20 milliards de francs CFA. Peut-on encore parler de la viabilité de la cotonnière industrielle après les constats opérés par la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques du Cameroun, en abrégé CTR? Fait grave encore, la société se trouve dans l'incapacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de la CNPS ou de désintéresser ses fournisseurs d'énergie que sont Eneo et Gaz du Cameroun. La facture des impayés d'énergie électrique s'élève à 1 milliard de francs CFA, tandis que celle du gaz du Cameroun s'élève, ou l'entreprise Gaz du Cameroun réclame 630 millions de francs CFA à cette société. Quant à la Sodecoton, elle réclame près de 2 milliards de francs CFA impayés recensés. La société accumule également des contre-performances économiques en raison de l'obsolescence des investissements et des outils de production des trois sites de Garoua, Douala 1 et Douala 2. Conséquence, ces insuffisances ne permettent ni de rémunérer les facteurs de production, ni de pouvoir autofinancer son activité. Dernière question, pourquoi le gouvernement a-t-il lâché, abandonné, rejeté, viré, congédié SICAM de son portefeuille parce que 95% des marchés désormais échappent à la cotonnière industrielle du Cameroun? La majeure partie des personnes, membres du gouvernement, acteurs, barons de ces régimes, préfèrent passer leurs commandes en Chine. Qu'est-ce qu'on fait en Chine que la cotonnière industrielle du Cameroun ne pouvait pas faire? Moi, amusez-vous de demander, cher Lamel Mathieu, la cotonnière industrielle du Cameroun tenue par les Français d'abord à la base, la SICAM également tenue par, on va dire, c'est une filiale également française aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, la France ne serait pas en train de quitter progressivement le Cameroun avec ses industries comme Monsieur Michel Ngatiou, le chef de l'État a abordé la question bien que voilée du protectionnisme. Comment se fait-il que le Cameroun soit agressé par le Nigeria voisin en termes de textile qui rentre du Nigeria voisin? Ouais. Comment est-ce qu'on n'a pas pu réguler l'entrée du textile d'abord au niveau du Nigeria? Je ne peux pas parler parce que c'est le Nigeria, c'est le plus gros producteur. Laissons le Niger et tous les pays environnants. Comment est-ce que le Cameroun n'a pas pu contrôler l'entrée, M. Michel Ngatiou, de ces textiles synthétiques et tout ce qui va avec venant de la Chine? Comment comprendre que même la tenue pour la campagne, les différentes campagnes du RDPC, l'État se retrouve à se retourner vers la Chine, M. Michel Ngatiou? Il y a des questions qu'il faut bien se poser. On a dit SICAM, je parle de la cotonnière industrielle du Cameroun, qui se retrouve aujourd'hui pratiquement à terre, qui s'est retrouvé à prendre les recettes de boutique et tout pour pouvoir avancer 50 000 francs en termes de frais de compensation sur les frais d'aérer. C'est lourd quand même, c'est lourd pour une entreprise qui était le fleuron en zone CEMAX, qui livrait tout. Je vais vous dire que même les pailles du Gabon présidentielles, les de ma famille présidentielle, C'était la SICAM qui le faisait. Pareil pour la Guinée équatoriale, pareil pour le Tchad, c'était la SICAM. Comment se fait-il que l'argent produit pendant toutes ces années n'a pas été réinvesti dans l'achat du matériel, des équipements et tout? Pourquoi n'ont-ils pas pu consolider les acquis qu'ils avaient? Monsieur Michel, il y a trop d'interrogations. S'il y a un conflit, un gars, il faudrait qu'on nous la dise. Toujours est-il qu'au regard, on se rend compte que, vous vous rappelez, avec l'effet Covid-19, on s'était retrouvé à ceci que les cache-nez,
C'était fait par toutes les femmes. La SICAM décide de faire les cache-nez. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez ce qui est devenu ces cache-nez qu'on vendait à plus de 1000 poussières, alors que la petite vendeuse au quartier te vendait à 150-200 francs. Alors, Dona Brice Kamgon, justement, la colère qu'exprime Charles Lamet ce matin, justement, est tout à fait pertinente. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? C'est le défaut de patriotisme de nos dirigeants. Ils n'ont pas d'intérêt pour le bien public, pour le bien-être des populations. Voilà une entreprise qui aurait pu être l'un des fleurons de l'industrie locale et qui se meurt sous le regard impitoyable de nos dirigeants. Voilà une entreprise qui n'arrive pas à payer ses fournisseurs locaux, qui a des équipements vétustes depuis de nombreuses années, qui subit la concurrence déloyale du marché international, qui l'asphyxie, et l'État ne dit rien. Lorsque la Sodeco dit « je ne livre plus », parce que vous avez 1 milliard non payé. 2 milliards. L'État dit, allez, livre. Voilà 100 millions. Tu ne livres pas. Tu vas voir. C'est en fait, l'État use du haut pour que la SICAM perçoive toujours cette perfusion qui n'est que conjoncturelle. C'est-à-dire que ça ne peut pas durer sur le temps. Lorsqu'il y a des tensions, on fait du rafistolage, du bricolage vite fait. Et puis la SICAM tourne pendant 2 semaines, 1 mois, et paf, après ça reprend. La crise revient encore plus aiguë. Vous savez que la SICAM, à l'occasion du 8 mars, la fête des femmes, n'arrive même plus à satisfaire le marché local. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui a une demande importante sur le marché. Certaines entreprises n'ont même pas de commandes. Mais la SICAM a une demande forte pendant le 8 mars. La fête des enseignants, pendant le 6 novembre, la fête du RDPC, ainsi de suite. Mais n'arrive pas à le faire. Parce que, un été, n'a pas d'équipement, souffre des problèmes de gestion, ainsi de suite. Et est envahi par les tissus qui viennent d'ailleurs, et souvent de très mauvaise qualité. Je voudrais dire quelque chose. Sur le marché du textile, en matière de textile, un pays comme le Rwanda est devenue l'une des références en matière de textile au niveau africain. Pourquoi? Parce que l'État a pris des mesures fortes de protection du marché et a fait en sorte que les pays importateurs au Rwanda, les pays qui livraient sur ce segment-là, comme les États-Unis notamment, ont perdu au fur et à mesure les parts de marché au profit des entreprises locales qu'on a protégées, notamment sur le plan juridique, en limitant les importations, en décourageant les importateurs. Et aujourd'hui, le Rwanda, sur le plan de la production du textile, est autosuffisant. Le Cameroun, sur le plan des textes, parle désormais de la politique de l'imposition, c'est-à-dire favoriser la production locale, notamment sur les segments où nous sommes capables d'avoir une production locale satisfaisante. Mais lorsqu'on regarde les chiffres récents, on se rend compte que le pays continue dans le gouffre des importations, notamment absolument sur le plan du textile, et fragilise et asphyxie à petit feu les entreprises, notamment comme la SICAM dont on parle ce matin. On parle bien sûr de la SICAM ce matin, qui est au bord, on va dire, qui est même dans l'agonie pratiquement. Dominique Audrey, Charles Lamel, tout comme Dona Brice, dont l'ont évoqué, mais surtout Charles Lamel, qui a parlé de l'ouverture désormais au marché chinois pour pouvoir renforcer les demandes locales au niveau du Cameroun. Mais dire justement que le protectionnisme dont le gouvernement quelquefois a prôné n'est que du vent dans la globalité. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de votre point de vue pour encourager les producteurs locaux, pour encourager même les consommateurs camerounais à se dire, bon, nous on veut utiliser du tissu camerounais véritablement et ne plus avoir affaire à ce qui vient de l'étranger. Ce serait une utopie, à votre avis? Oui. Parce que si vous allez, par exemple, au marché Congo, le tissu qu'on appelle le ndop, vous voyez comment c'est produit en rouleau. C'est que vous arrivez, vous voulez pour 1000 francs, on vous coupe pour 1000 francs. La coura. On appelle ça la coura. OK. Vous, que ce soit même celui qu'on porte chez les anglophones ou bien vous trouvez ça, donc on met ça en kilo. En kilo, c'est ahurissant.
de voir que de tels tissus, la symbolique à travers ce tissu est autant banalisée. Et non produit par les Camerounais. Et non produit par les Camerounais. Maintenant, on livre ça comme si c'était la gabardine. On livre ça en rouleau comme ça. Vous venez, on déroule et on vous donne. Pourtant, je crois que ce sont... Notre domaine de souveraineté aurait pu être l'usine, l'industrie du textile. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de revenir peu à peu vers les imprimés qu'on pourrait appeler abusivement les imprimés africains. De plus en plus, on ne porte que ça. Même à l'étranger, certaines stars internationales revêtent ces imprimés-là. Donc, c'est dessus qu'on aurait pu capitaliser pour que SICAM puisse être une sorte de référence pour un plus grand nombre. Regardez qu'au mois de janvier, on nous a annoncé la fermeture de l'usine de Garoua, avec tout ce que ça comporte, parce que la Sodecoton a estimé qu'il y avait beaucoup trop de dettes pour continuer de donner la matière première. On donne la matière première, mais il n'y a pas de retour. On ne paye pas. Et SICAM ne peut pas payer tant que les tissus ne sortent pas. Et les tissus ne sortent pas, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au marché, vous pouvez acheter 6 yards, entre guillemets, de tissus à 2500 francs. 6 yards de tissus, vous pouvez l'avoir à moins de 2000 francs CFA. Donc, vous voyez que SICAM pourrait vous vendre des tissus à partir de 5000 ou bien je dis n'importe quoi. Et quelqu'un va se dire, non, moi, je ne peux pas aller acheter un tissu à 5000 alors qu'avec 5000, j'ai deux tissus. Donc, qu'on le veuille ou pas, SICAM va finir par mourir si et seulement si on ne travaille pas à lui donner la place qu'elle a. Donc, il est impératif de fermer, d'appliquer l'exemple du Rwanda, de donner un accès financier à SICAM, de redonner vie à SICAM, de la refaire complètement et maintenant fermer d'une certaine manière l'accès à ces autres tissus, le pétrole-là, qu'on ferme l'accès. Votre commentaire, Isabelle Carozopet, êtes-vous aussi très en colère ou bien? Oui, très en colère parce qu'on ne fait rien justement pour pouvoir sauver ce secteur-là. Pourtant, on est d'accord et conscient de ce que la plupart des Camerounais sont vulnérables, c'est-à-dire que sur le plan financier, vraiment agonise. Conséquence des courses, on a vite fait sur le marché de se plier vers cet issu qui vient de l'air extérieur, par exemple, conscient de ce que la qualité vraiment n'est pas au rendez-vous. Mais on se dit, c'est le portefeuille qui nous conduit vers ce choix. Alors, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est de pouvoir, à un moment donné, mettre des barricades pour dire, on sauve d'abord le patrimoine, on sauve d'abord ce qu'il y a de précieux dans le pays, on sauve d'abord cette entreprise en charge, on met d'abord vraiment tout le matériel qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir rénover entièrement cette infrastructure ou alors l'adopter d'outils ou de matériel flambant neuf afin qu'elle puisse assurer la production? Je me rappelle l'année dernière quand on allait pour acheter les pains du 8 mars, on vous dit on ne peut pas vous vendre plus de deux pains. C'est-à-dire que vous venez acheter le pain de votre mère, pour votre belle-sœur, on ne peut pas vous vendre plus de deux pains parce qu'il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire le rang pour prendre un pain, votre sœur fait un rang pour prendre l'autre pain et ainsi de suite. Pourtant, vous pouvez bien acheter 400 pains. Ça rejoint justement ce que disait de la S'il y avait... C'est incapable de satisfaire la demande locale aujourd'hui. Incapable, je dis incapable, Michel. Et à un moment donné, on vous dit, non, il y a rupture. Il y a rupture de stock. Vous devez encore venir dans deux semaines, dans trois semaines pour voir si ça peut venir. On vous dit, non, ce n'est que telle boutique qui est approvisionnée. Ici, on n'est pas approvisionné. Pourquoi est-ce qu'il y a cette défaillance-là en termes de productivité? Pourtant, c'est des choses qu'on devrait pouvoir sauvegarder et qui sont apportées demain. Est-ce que ce sont les moyens qui manquent? Non, c'est tout simplement une désinvolture qui colle bien à ceux qui nous dirigent. Alors, non seulement... Voilà, on ne consomme pas SICAM parce que justement la question était sur cette logique-là. Les Camerounais ne consomment pas SICAM. Est-ce que c'est parce que SICAM, justement, ne promeut pas au mieux ses produits? Peut-être c'est Il n'y a pas assez d'espace. Il n'y a pas assez d'espace. C'est pour ça que je dis, le coût d'abord, vraiment, il faut le dire, ce n'est pas accessible à tout le monde. Maintenant, les gens se tournent ailleurs parce qu'ils savent que avec 1000 francs, vous allez dans les marchands, on vend un pain, on vous dit c'est 1000 francs. Mm-hmm. Parfois, il y a un deuil, un mariage, on vous dit le pain c'est 3000. Quand vous vendez un pain à 3000, la personne allait acheter à combien? Le vendeur lui-même allait acheter à combien? Pour combien de vous vendre à vous à 3000 francs pour une cérémonie? Est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui de fermer le marché? C'est-à-dire que le marché chinois? Oui, on peut choisir de le fermer. Mais non. Ou alors de veiller. C'est une possibilité. De réguler, de recadrer. C'est possible. Donabrice, c'est difficile de fermer. Vous savez pourquoi?
Vous croyez que le Cameroun n'arrive pas à arrêter les importations, n'arrive pas à arrêter les importations, pourquoi? Parce que on ne peut pas le faire. On peut le faire, sauf que les importations profitent aux gouvernants, aux dirigeants. Voilà. Il y a des commissions, il y a des bakchiches. Les importations de riz dont on parle. On a le riz de Ndop ici qui est de meilleure qualité que le riz thaïlandais qu'on reçoit ici. Des brésus qui sont destinés aux animaux là-bas. On ne promeut pas. Mais au Cameroun, notre riz qui est de meilleure qualité est produit. Et c'est cher, les Camerounais ne peuvent pas consommer ça, n'en consomment pas. C'est cher pourquoi? Parce qu'on ne soutient pas les producteurs. Dans les pays qui importent le riz, qui envoient le riz chez nous, les producteurs sont subventionnés, ce qui fait qu'ils ont moins de coûts en termes de production et donc mettent le riz sur le marché, bon marché, accessible à tout le monde. Chez nous, les producteurs sont abandonnés, mettent beaucoup d'argent pour produire et pour s'en sortir, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de vendre cher. Très bien. Merci à vous, merci à tous mesdames et messieurs, merci à chacun d'ailleurs pour vos nombreux commentaires. On marque une pause et puis on se retrouve 5 minutes après.